derrière un parti politique et fait des conneries pour des bêtises. Même à ce côté, ils sont allés demander à s'adresser aux étrangers pour provoquer un conflit interethnique. Qu'est-ce que ça va leur ajouter? Qu'est-ce que ça va leur ajouter? Le préfet a dû faire un communiqué pour rassurer les gens. Les djihadistes, je ne pense pas que c'est des djihadistes, mais s'ils veulent opter pour le djihad, ils auront aussi des djihadistes en face. Ils auront des djihadistes en face. D'ailleurs, les gens ont commencé à chercher à arrêter un peu plus, ils ne savent plus comment arrêter. Je demande aux politiciens d'être responsables, d'éduquer leurs militants dans la bonne voie. Mais si vous voulez être politicien, il faut avoir la culture politique, il faut éduquer bien vos militants. Il ne faut pas abuser de leur, je sais pas, abuser de leur ignorance. Leur faire croire qu'ils sont sur la bonne voie alors que vous êtes en train de les pousser dans le gouffre. Et souvent quand ces gens se retrouvent en prison, personne ne va les voir. C'est les familles qui souffrent. Le monde parle pas de djihadisme. Je ne peux même pas parler de politiciens. Ouais, c'est des jeunes abusés. Des jeunes abusés. Des jeunes abusés. Et c'est très dangereux. Oui, je peux aller. Oui, merci beaucoup. Je suis Justin Anani du site internet Togo Visible. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour cette occasion qui nous permet de cerner un peu ce qui se passe, notamment à l'intérieur du pays et à Lomé. Et j'aimerais avoir la réaction du gouvernement par rapport à un communiqué du PNP, Session Sokodé, qui circule sur les réseaux sociaux, puisque tout à l'heure vous avez fait cas également de ces réseaux sociaux où il y a un groupe qui commence par mener des actions et que personne n'arrive à maîtriser ce qui se passe. Et ce groupe, avec ce communiqué, fait cas de l'information qui a été envoyée à des responsables du PNP à Sokodé. Et ce communiqué indexe le préfet de Tchaoudor, je crois le colonel Montpion, et qui, selon ce communiqué, et il y a un groupe du PNP Tchaoudor qui se prépare à tuer les frères Kabyes de Tchaoudor. Et plus loin, le même communiqué dément l'implication de tout acte de vandalisme et tout ce qui peut y avoir comme conséquence. Et quand on sait qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, à ce côté, la situation n'est pas morose. Mais là, j'aimerais avoir la réaction du gouvernement par rapport à ce communiqué. C'est ma première préoccupation. La seconde, je l'adresse au ministre Trimois. Et quand j'écoute le ministre tout à l'heure, ministre de la Sécurité, le général Yak Damhan, j'ai peur. Non seulement j'ai peur d'être Togolais, mais j'ai peur de résider encore au Togo. Peur de quoi? Par rapport à ce que vous venez de dire, parce que s'il y a un groupe de 20 personnes qui sont habillées en noir, on ne les maîtrise pas. C'est pas ce que demain sera fait. L'inquiétude revient également par rapport au fait que nous sommes à la veille de la présidentielle 2020. Et par rapport à ce scrutin qui n'est pas tout à fait, qu'on ne peut pas comparer par rapport aux autres scrutins que nous avons connus, ma question va au ministre qui, dans l'une de ses interventions, a dit si vous avez ou vous voulez le pouvoir, aller chercher des armes. Par rapport à cette déclaration et par rapport à ce qui se trame aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut comprendre cette situation? Parce que moi, j'ai peur. Je vous remercie. Bon, vous demandez la position du gouvernement sur le communiqué du PNP, c'est sur ce côté. Le préfet de Tchaoudor, la fonction du responsable. Voilà. Et que par après, aujourd'hui, il y a des actes de vandalisme dans la ville. On n'arrive pas à comprendre. Si vous avez une réaction par rapport à ce communiqué-là. Les armes qui? Si vous avez une réaction par rapport à ce communiqué-là. Les amis, vous suivez, vous lisez, vous écoutez aussi les audios des gens sur les réseaux sociaux. Mieux que moi-même. Et le préfet à ses services, et c'est suite aux informations, aux
renseignements qui lui sont parvenus et il a dû faire le communiqué pour attirer l'attention des uns et des autres. Le gouvernement ne peut pas être contre le communiqué du préfet. C'est clair? Non, le communiqué, c'est les gens du PNP qui ont sorti le communiqué, qui intestent le préfet, voilà, 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 et ils ne sont pas responsables. Peut-être vous avez plus d'éléments que moi. Oui ou non? Pardon? Il dit vous avez plus d'éléments que moi, plus d'informations. Oui, oui, puis c'est notre métier. Tout ce qui se rencontre sur les réseaux sociaux. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? C'est vrai que certaines de mes préoccupations étaient déjà prises en compte, mais je souhaite être beaucoup plus édifié. Est-ce que, au regard des dernières actualités, la manifestation cet après-midi ne va pas avoir lieu? Ça, c'est ma première question. La deuxième, c'est de savoir quelle est votre stratégie en tant que ministre en charge de la protection civile. Lorsque vous avez déjà des informations, et vous avez pris des mesures déjà en amont
pour placer des agents des forces de l'ordre à des endroits qui ont été effectivement ciblés et attaqués. La stratégie, c'était quoi? C'est de laisser faire pour qu'on emporte les AK-47, pour qu'on blesse des citoyens, même s'ils sont des forces de l'ordre, pour qu'on les blesse, pour qu'on les brûle, pour dire après que oui, nous savons, nous voulons vous dire que nous vous connaissons, nous vous connaissons et que... Quelle est la stratégie derrière? Puisque moi, laissez-moi vous dire que je suis en train de vous accuser de laisser faire pour démontrer après, comme l'a dit M. le ministre de l'Ordre tout à l'heure, que non, nous savons que cette conférence de presse n'est pas destinée à alarmer la population, mais pour plutôt rassurer. Est-ce que c'est de cette manière-là que vous voulez rassurer les Togolais? Merci. Si l'information bien a été faite, vous devez me poser la question si, lorsque les gendarmes sont allés vers eux, les gendarmes ne commençaient pas à tirer sur eux, vous avez dit, mais pourquoi? Ils ont tiré sur eux. On commence par voir clairement l'intention. On commence par voir clairement l'intention de ces gens. Donc demain, s'il y a une réaction, ne dites pas que ah, les gendarmes ou les policiers se sont défendus. Maintenant, la première question, est-ce que la société civile, moi je serai un des organisateurs, je vais passer un communiqué pour annuler. C'est plus sage. Et s'il y a des interconnexions entre les deux, nous serons prêts aussi pour agir. Est-ce que tout ce qui s'est passé aujourd'hui, est-ce que si on sait que la société civile organise des manifestations, est-ce que ça a lié avec ce qui se fait les manifestations de la société civile? La première question. Ma deuxième préoccupation, je suis Jérôme Soussou du journal européen des enjeux. Ma deuxième préoccupation, est-ce que avec ces actes qui est imposé, est-ce que le gouvernement ne risque pas d'interdire complètement les manifestations futures de l'opposition ou de la société civile? Merci. Vous êtes journaliste. Il vous arrive d'écrire un article. Quand il y a eu qui vous a traduit, vous ne pouvez pas trouver les bonnes réponses. C'est pas la réponse que vous donnez. Acceptez que je ne vois pas aussi ma faute. Elle pourra faire cette hauteur. Nous sommes d'accord. Alors vous pensez que c'est le gouvernement qui a organisé ça? Vous gagnez quoi? Est-ce que le gouvernement gagne en organisant ça? Le jour où on va les prendre, vous allez les deux. Oui, peut-être sur la question de la Mazda. On est passionné ces temps-ci dans notre pays sur un certain nombre de sujets, mais il ne faut pas créer la Mazda. Il n'y a pas de confusion à créer. Il y a des faits qui se sont produits qui portent atteinte à la sécurité des personnes intérieures. Il y a des questions de l'expression politique, les manifestations publiques qui peuvent se tenir aussi. Vous savez, lorsque le président de la République avait fait son discours sur l'état de la nation, il avait bien évidemment évoqué les problématiques de sécurité. Elle avait quand même affirmé que nous garantirons toujours le droit et les libertés fondamentales qui sont prévues par nos textes, en tenant compte naturellement des impératifs de sécurité qui s'imposent à nous. Et ça, c'est notre constitution qui est le droit. Donc, de ce point de vue, il n'y a pas d'amalgame possible. Je crois qu'il ne faut pas faire des digressions en pensant sur une déduction automatique, parce que ça s'est passé là. Donc, du coup, on va porter atteinte à telle liberté, telle liberté, telle liberté. Deuxième chose. Nous avons ici tendance à tirer les informations par les cheveux, à vouloir faire des racontements du tout, démontrer que ça, c'est le début de ceci, et faire des films. Je pense qu'il faut voir les choses au fur et à mesure qu'elles viennent, et vivre chaque événement selon qu'il est traité. Pour la manifestation qui était prévue, le ministre de l'administration territoriale avait donné sa réponse en son temps aux organisateurs. Il me semble que jusqu'à présent, et à ma connaissance, aucune autre réponse inverse n'est intervenue. Il appartient aux organisateurs de prendre leur disposition et de continuer à faire ce qu'ils souhaitaient faire dans les termes que le ministre leur avait donné.
Mais je pense aussi qu'au vu de ce qui est en train de se faire dans un certain nombre de discours que nous entendons liés à ces organismes ou à ces groupements de malfaiteurs qui se prennent pour des justiciers politiques, il me semble que les organisations sérieuses, les organisations de la société civile sérieuses, les partis politiques sérieux, devraient pouvoir aussi donner des signaux qui se démarquent de ce genre de discours. S'ils le valident, ils s'en font des complices. S'ils veulent montrer qu'ils sont des politiques, qui travaillent sur le terrain politique ou des organisations de la société civile, qui interviennent en tant qu'organisation de la société civile, ils doivent se démarquer de tous ces discours qui appellent à des renversements des institutions, à des bouleversements par les armes ou par des moyens illégaux, qui me semble qu'ils doivent s'en démarquer. S'ils ne s'en démarquent pas clairement, naturellement, une fois de plus, ils s'en feront des complices. Donc, je pense qu'il ne faut pas mélanger les choses, il faut laisser. On a traité un problème qui est lié à des violences exercées par des groupes criminels, il n'y a pas de terme pour le dire. Et puis, séparer ces questions-là des activités politiques qui sont dans notre pays. Et que les groupes qui se reconnaissent légalement comme des groupes autorisés en tout cas à mener des activités politiques ou dans le cadre de la société civile restent dans leur champ société civile ou parti politique et qu'ils se démarquent de tout appel qui soit contraire au civisme ou au patriotisme dans leur pays. Il semble que ce sera clair pour tout le monde. En revanche, ceux qui feront l'amalgame, vous montrez le profit de ces déclarations qui sont faites là.